Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour le 145e épisode sur Crusader Kings 2 avec l'héritage de Rome. Et aujourd'hui, ben, on va essayer déjà de... on va commencer par finir cette guerre. Hop, toi t'es en prison, je vais te... est-ce que je peux te bannir? Ça me fait rien. Je peux te bannir. Est-ce que je peux exiger une conversion? Bien sûr. Je vais te bannir. Ou je t'exécute. Je t'exécute, allez, hop. Ton prédécesseur est en mercenaire, mais bon, je peux pas toujours mettre... être gentil, quoi. Donc, toi, pourquoi tu m'aimes pas? Domaine trop vaste. On va essayer de le donner encore. Accorder une vice-royauté, non. Accorder un titre foncier, le donne. Je ne peux toujours pas, désolé. Donc, en retour, on va t'envoyer un cadeau. Hop, donc voilà. Pour le moment, on peut pas faire grand-chose en attendant qu'il y en ait un qui se sorte d'une... enfin, surtout l'Aquitaine qu'on aimerait faire sortir. Super. Eux ont 30 000 hommes, on pourrait leur déclarer la... non, on peut pas leur déclarer la guerre. Off de gendre à la guerre, on s'en fout. Donc il faut juste attendre que soit lui, sorte de la coalition. Et ensuite, on pourra les attaquer pour essayer de revendiquer des trucs. Ici, je vois bien soit prendre la Sardaigne en Italie, soit prendre Florence pour relier les terres. Alors ici, je prendrai plus le nord. Pour savoir si ça apporte beaucoup de menaces, parce que ça, on sait toujours pas. Et avec cette mort, on ne pourra pas le savoir avant longtemps, si ça continue comme ça. Donc, il faut attendre qu'il n'y ait plus de coalition. Alors, on peut faire quelque chose en attendant. Rien. Rien du tout. Toi, je peux te revendre 10 pièces. Si c'est ce que le prix que ton mari t'a trouvé, bah. Toi, tu es qui? Moldavie, on va te libérer. Même si je suis pas trop fan, on te libère. On va tous nous libérer d'ailleurs. Toi, t'es qui? Non, toi, on te libère pas. Toi, on va te recruter. Allons-y. Hop, nickel. Exiger une conversion. Non, si je t'envoie un cadeau. Exiger une conversion. Bon, ben, je vais t'emprisonner encore. Je veux pas. Titre honorifique. Une conversion. Non. On laisse faire, on s'en fout, on le laisse libre, il est assez intéressant. En plus, il va pas tarder à crever. Ensuite, on a qui d'autre? Toi. On peut te... non, on peut rien faire, on va te revendre. 46 pièces. Alors, Néapolis, ils se font totalement rejeter. On s'en fout, elle va... On peut toujours pas essayer de l'assassiner. Mais une fois qu'elle sera morte, ça va rejoindre nos terres. Faut juste espérer qu'elle perde pas l'Azerbaïdjan. Pendant qu'on est en train de... on attend. Et pourtant elle va le perdre. Hein, ça. Elle va perdre l'Azerbaïdjan. On peut pas offrir de se joindre à la guerre. Contre l'Azerbaïdjan, justement. On peut. On va le faire. Parce qu'on peut. Ici, on peut lever combien? 1700. Ici. 600. Hop. Et on envoie notre troupe. Même si on sait qu'elle va accepter. Ah ben. Voilà. Donc en fait, t'as gagné ta guerre ou bien je sais pas, mais en tout cas, elle a accepté qu'on l'aide et donc bah, elle nous a rejoint. Super. Voilà, comme ça on a réunifié le tout. Il a peut-être gagné sa guerre aussi. Hein. Elle est emprisonnée par qui? Non, 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 non.
C'est bien, toi ta guerre ça avance. Ici, bah, les révoltes, elles sont un peu stupides parce qu'ils sont passés, ils sont 5 comtés à dire « Ouais, on ne t'aime pas, on t'aime pas !» D'ailleurs, tu devrais même pas exister, vu que l'Empire Romain est revenu, tu devrais t'agenouiller devant nous. Mais ça, on s'en fout. En plus, t'es même pas sur les terres de l'Empire Romain. Tu devrais... Parce que le Saint-Empire Romain, c'est un peu ceux qui vont essayer de défendre la foi de Rome, il me semble, face aux ennemis. Donc maintenant, c'est nous qui défendons la foi de Rome, vu que la foi de Rome, c'est notre foi. Donc, tu devrais t'agenouiller devant nous. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il devrait s'agenouiller devant eux, devant nous? On peut enlever combien d'ici? 1005. 1005, et à côté, on peut enlever 1007. Et derrière, on peut enlever 3000. Hop. Voilà, on va s'occuper de repousser les quelques tribus, encore des juifs, je suppose. J'ai hérité de la Grèce, tant mieux. Non, je sais. 2 secondes. Achaïe. Transférer, accorder un titre de royaume. Hop. Nickel. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut demander? Un attendant. Alors, on va prendre le meilleur attendant qu'on ait. Ensuite, on peut faire appel à des alliés. Non. Ah merde! On va mettre fin à cette guerre. Non, ben on va déclarer la... On va faire cette guerre alors. C'est con quoi, on a hérité de sa guerre. D'ici, on va lever. Lever. On savait que ce serait une idée stupide de sa part, mais on va essayer juste de se remettre à 0%. Hop. Vous, vous montez. On va aller jusqu'ici. Mais pas à Péruse, hein, non. Donc on va s'arrêter à Péruse. Les Grecs, vu que c'est vous qui faites cette guerre. Venir aussi. Aux armes. Bon, on se prend 2 guerres, d'accord. On pourrait pas juste ici offrir paix, se rendre. Ça fait quoi? On perd du prestige, on perd de la piété, on s'en moque. Parce qu'on se prend un djihad en fait. Là par contre, on va faire appel à nos alliés. Juste pour le djihad. 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 On a des alliés, heureusement. Pour le djihad, on t'a déjà demandé. Allez hop. D'accord. Bon, laisse-nous en paix, on a décidé de se rendre. Voilà. Guerre sainte pour le Caire, ce sera quelqu'un d'autre qui la fera. Ouf. Du coup, oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On est à combien? On est à plus 45. Envoyer. Accepter. Oui, ça. Guerre stupide. Si on n'avait pas eu le djihad, on aurait combattu. Là, on a un djihad de la Basside. On va combattre la Basside. Là, il y en a 6000 qui viendront ensuite descendre. Ici, on a 5000 troupes.
direct en France. Gérard. Je pense que là on aurait combien? On aurait 20 000 troupes, je pense. Dans le bateau, on a. On a 11 000 et ensuite on a les. Ouais, ça devrait être suffisant. En fait, ils s'attaquaient à nous parce qu'on était affaiblis. Parce que. On est affaiblis parce qu'on est seul. Et qu'on était dans deux guerres. Par le 4, on arrive beaucoup plus tôt. On va remonter. Il est venu à Tripoli. Par contre, on va essayer de se refaire de la thune sur l'ordre, ça. Combien on peut se faire? Ah, on gagne pas de thune. D'accord. Ça c'est quoi? Ce sont une armée de révolte machin chouette. Ouah, on s'en moque. On va essayer de les éviter si on peut. Homs. Et vous, une action ici. Ici ça s'est bien fait. Elle partait sur... sur Homs aussi. C'est que cela, on va foncer sur une autre troupe. Juste pour savoir, combien de troupes vous avez? 7000, d'accord. Je sais pas ce qu'il comptait faire. On va juste l'écraser, le broyer, l'assassiner, le tout ce qu'on peut. D'ailleurs, il est où ton... Il est là. Non, on a plein de soucis à cause de cette... On a plein de gens qui... Plein de gangs. Vu qu'on est pauvre, hein, on est en pleine dette. Dommage. Ici, on va probablement faire des sièges accélérés. Oui, vous allez me faire chier longtemps ou... T'es qui? Accepte. On a du monde qu'on connaît pas qui viennent, c'est cool. Ici, on peut faire dans 25 jours, c'est beaucoup trop long. On va aller à Negev. Nickel. Alors, maintenant on peut se marier, on s'en moque un peu. On peut pas mettre... Bon, on va préparer les successions alors. On va être un grand combattant. Ensuite, se marier. T'es la duchesse de Munster. C'est ça, Munster? On peut pas grand chose. Malheureusement. Ici, on va regarder. Toulouse. Malheureusement, t'es déjà marié. Guyenne, non, non. Provence, on sait jamais. En Italie, Florence, non. Ici, non. Vérone, non plus. Toi, t'es marié, dommage. On va essayer de se faire une alliance, peut-être, au sein du Serge. Non, pas au sein du Serge, en Britannia. La fille est là, 4 ans, on va éviter. 12 000 hommes, d'accord, en Écosse. La fille est déjà mariée. Où y a-t-il d'autres terres? Ici, peut-être. Toi, tu es marié.
Ta fille n'est pas mariée. On va arranger un mariage. On va voir. Allez, on accepte. Non, la richesse. Ou oui, tout le monde nous doit de l'argent. Ça aide tellement. J'espère qu'ils s'arrêtent à Darum parce que j'ai pas envie de les pourchasser dans tout l'Empire. Ah non, ils vont continuer. Non. Bon, on va les laisser, on va les poursuivre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut rien faire d'autre? Les bateaux, on peut les baisser par contre. L'Aquitaine veut venir? Vas-y. On va continuer ici. On va juster là. C'est quoi? C'est des montagnes, on s'en moque. On se fait des victoires, c'est super. Hop, et on va lever en plus 343 troupes. Une fois leur arrivée. On lève les troupes du fort. Nickel. C'est cool, on est en train de détruire toutes les petites armées qui arrivent. Même s'il y en a quelques-unes qui reviennent en plus. C'est qui ? Ma femme est morte, déjà? Bon bah... T'as plus qu'à se trouver une autre femme. Et j'ai trop de terre encore. Par contre, ça, je peux m'en débarrasser du trop de terre. On a un titre foncier, maintenant les gens vont plus me faire chier, je t'offre le don. Voilà, on n'est plus en trop de terre. Alors, peut-être qu'il y a d'autres... ici. Moldavie, justement. Non. Thème, on s'en fout. Peste. Non. Ungvar. Non. En tout cas, c'est de la Bavière. Si on peut avoir une alliance avec la Bavière, ce serait génial. Arranger des fiançailles. Un mariage. Avec nous. Vous voyez. En plus, ça nous rapporte du prestige. Hop. Et donc, toi, tu vas accepter, j'en suis sûr. 2, 1. On va forger une alliance. Forger une alliance. Nickel. C'est peut-être la solution. Jamais. Et tu veux quoi? Compter de... Jamais. Pas touche. On est quasiment en train... On est quasiment remonté, ça va. Nickel. On va pas... Si on peut faire appel, allez, viens. On va lui faire appel en plus. Vous deux. D'accord, il vient à la guerre, super. Vous deux, vous allez à Darum. Hop. Du coup, cette guerre, ça donne quoi, mon cher? Tu vas encore te battre longtemps? Parce que vous êtes beaucoup de petits, mais... Face à nous, vous ne valez rien. On veut quoi? Est-ce qu'on veut offensif, défensif ou inflexible? On va rester inflexible. Non, autre chose. C'est pas mon domaine de compétence. Tiens, tu vas essayer de le tuer. Oh tiens, 10 000 troupes. Dans ce coin-ci, plus 5000 à gauche à droite. Ah, mais ils viennent en Grèce, mais bien évidemment, vu qu'en Grèce, c'est les terres qui sont réclamées. On va faire descendre
ceux-là, on va les faire descendre ici. Les 4000, on va les faire descendre ici. Rançonner. Nickel. On va les faire descendre, on va essayer d'intercepter les troupes petit à petit. On va aller jusqu'à Pyrrhus. Et vous, partez ici. Et vous venez les rejoindre. Et là, il y a du monde, hein. Ils sont en train de s'accaparer le territoire. Même s'il est très bien protégé grâce à nous. Plus de l'attrition énorme d'un comté. Ah, nickel. Je suis à nouveau respecté. Tout se déroule comme prévu. Mille troupes, ça va faire mal, ça. Bon, toi, tu vas te démobiliser. On va les envoyer. Ceux-là, on va les faire descendre aussi. Parce qu'ils commencent légèrement à être nombreux, quoi, quand même, à s'amasser dans le coin. Donc, je préfère prévenir que guérir. Et envoyer assez de troupes dans le coin. D'ailleurs, la Sicile. Ou en Zedbel, là. Ah mais ils sont déjà partis. Rome, non. Est-ce qu'on peut à nouveau lever? Non, pas assez. Rester sur place. Ensuite, ils s'en vont, super. Paysans, je m'en fous. En ce moment, je m'en fous un peu. On a des guerres un peu plus importantes que ta révolte de paysans. Ici, c'est l'Égypte aussi. Ouais. Donc il faut protéger aussi cette zone. Ici, on peut lever des troupes. Hop. On lève ici. Ici. Et ici en plus. Donc ça va bien se passer, normalement. Ici, on va essayer de poursuivre ce qu'on peut. Ici, ça craint pas. À mon avis, oui, ils vont essayer de s'attaquer au Sinaï, mais on va les repousser, donc ça passe. Là, Gizé. Ouais, Gizé. Ça passe. Ah, là, on va se prendre une grosse attaque. Hop. On va renvoyer les renforts. On n'a pas besoin. Vous, partez ici. Et vous, on va les renvoyer aussi là-haut. D'accord. Rançonner. On va
avoir 6000 troupes là, coincées. 7000. Bah c'est déjà ça, tant mieux. La bataille sera moins grosse. Je sais pas ce qu'ils font, ils descendent. En guerre contre nous, non, ceux-là, oui, bah c'est toujours le même en fait. Pop. C'est moi, ceux-là s'attaquent à nous aussi. Non mais vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, t'es un peu stupide surtout, mais... Voilà, ils ont tous disparu, ils sont partis dans le désert. Et on attend, hein. On cherche une guerre là, donc... On a dit oui, venez, il va y avoir une guerre. Non, rien. On attend. On va aider là-bas, en espérant qu'ils arrivent un jour, parce que bon, quand même. Je sais, notre organisation militaire fait peur, ben, fallait réfléchir. Ce qu'on peut faire en attendant après avec ceux-là, c'est... On va tous les rassembler dans un coin, on laisse 7000 ici. Et on met les deux autres ici. Cela, on pourrait même le diviser en deux, à mon avis. D'accord, victoire. Comme si c'était étonnant. Vous, on va se couper en deux. L'un qui va tout au nord. Et l'autre va ici. Nickel, et vous, bah, vous allez piller des terres aussi. Et vous allez ici à Negev. En espérant intercepter cela. C'est Nikani qui nous attaque. Toi. Forcer l'ordination. Un combattant. Il fera le ménage. Tout ce qu'il est capable de faire. Donc. Hop. Si on pourra lever 900 troupes supplémentaires. Boum. Hop. Plus 900, ça devrait aller, je pense, hein. Une guerre, on est à 20%. 15 plus. Mais bon. Mais continuez à appeler des gens, ça va être juste des gens qui vont être assassinés, quoi. T'aurais pu demander autre chose que l'Egypte. Déjà. Quelque chose de plus petit, plus facile à attaquer. Un peu plus isolé. Maintenant, l'Arabie pétrée, t'aurais pu la demander. Elle était tellement plus simple à avoir. Mais non, il a fallu ça, bon. Tu vas où, toi? Là-bas. J'attends toujours les grosses armées alliées qui ont débarqué. La cité, oui. Hop. Ah oui, là, il y a quand même 20 000 personnes, à peu près, qui viennent. Voir. Ah oui, mais ils repoussent. Mais s'ils sont 20 000, là, dans le sud, ça va aller, quoi. On n'a pas de terre, c'est juste deux comptoirs qu'il y a dans le coin. Ben, vas-y. Amuse-toi à casser des comptoirs. Waouh. Mais dis donc, tu es très effrayant et très dangereux. Allez hop, on va prendre part. Et on commence à éradiquer toutes les... Comment dire, tous les petits trucs à gauche et à droite. 65%. Merci hein, de m'aider. Je te déclarerai la guerre, mais pas tout de suite. Toi, tu viens pas m'aider, t'auras une guerre dès qu'on peut. C'est une guerre sainte, hein, c'est une guerre qui protège tes frontières à toi, donc... Indirectement, tu devrais m'aider pour te protéger, mais bon. Il part quand? Le 30 mars, et nous on arriverait...
17 mars. On y va. Avec nous dedans. Bien sûr, s'il s'agit d'écraser du soldat qui se balade, on le fait. Aussi. C'est une de nos passions favorites en temps de guerre. Écraser du soldat ennemi qui se balade dans le désert. Ou alors c'est près d'une île, mais là c'est pas du... Ce serait d'ailleurs plus intéressant qu'il se balade ici. Mais c'est quand même un peu le désert autour. Donc. Là c'est bon. D'ailleurs je pense qu'on peut le voir. Tout là où c'est un peu plus gris c'est cool. Hein, c'est bonne terre et le reste c'est merdique. Là c'est des montagnes, du désert. Voilà, ils sont pas super bien. Donc oui, c'est bien. Le long d'une île, c'est une belle bataille. Un beau décor. 20% seulement. Allez, on remonte. Dis-moi que ça va te faire du mal qu'on prenne quelques terres quand même. Dis-moi que tu vas avoir des révoltes. Ça, ce serait parfait. Des révoltes pour te renverser ou pour d'indépendance. Le mieux est des révoltes d'indépendance. Oui. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? Est-ce qu'on peut se faire Tiens, il y a plus. C'est plus par. D'accord, si, monarchie élective, et pourquoi on peut pas la. Partie de la Bulgarie, alors pourquoi on peut pas voter? Dommage. Bon, bah on déclara la guerre à la Bulgarie après. Entièrement revendiquer son territoire. De toute façon, il fait rien. Il nous aide pas non plus. On aurait pu le laisser en paix. Mais bon, il faudra voir les prochains épisodes. D'abord, on essaiera de faire des guerres de reconquête impériale. Et puis, on fera peut-être une guerre contre la Bulgarie. Majorque. On s'en fout. Oui, ça va devenir italien au lieu de je sais pas quoi, mais on s'en fout. Au lieu de français, peut-être. Majorque. Hop. L'aller-retour, en espérant que nos alliés viennent se battre un peu. Ouais, c'est qui? Je sais pas c'est qui. C'est Sopron, mais bon. Oui, se déplacer rapidement, nickel. Si on est dans cette armée, ça va se remarquer. Piouf, on va faire taf, taf. Deux coups. Non, il a décidé de se barrer. On vient! Non, on vient pas. C'est qui ça? C'est Bourbon. Oui, c'est nos alliés, quoi. C'est nos alliés au sein de nos ennemis. Mais c'est bien, venez. Là, ce serait bien d'intercepter. Combat, on a beaucoup d'infanterie lourde, donc on va être un commandant d'infanterie lourde. Ici. Sinon il va avoir du mal. On envoie des troupes. Ici, ils essaient de nous assiéger. On va aller les repousser. Rançonner. Allez hop, 10 pièces. Non, venez ici d'abord. Il est tendu le combat. Ils sont pas trop faits pour la guerre, hein, ceux-là. Guerre de vassaux interdite, je m'en fous. Fais un peu ce que tu veux, tu es libre. Tant que tu me respectes. Au sein de ton royaume, tu fais ce que tu veux. Tant que tu ne décides pas de prendre le pouvoir ou de te rebeller, etc. Alors. Venez. Avec plaisir. On va prendre quelques terres, ça va faire plaisir ça aussi. Hop. Ciel. Je regarde le chrono, mais ça va, on a le temps. Au pire, j'ai déjà fait des épisodes d'une heure là-dessus. Ça décalera juste un peu beaucoup mon planning, mais une fois que j'ai fini cet épisode, je fais directement le montage, entre guillemets, le rendu, quoi, pour gagner du temps.
Allez. Boum, une victoire. Deux victoires. Je m'en fous, il va arrêter. Ok, fort bien. Quel... Tu es un Andalou. Tu me parais fort clair pour un Andalou. Enfin, pour un Espagnol, tout ça, tu me parais quand même pas trop basané. On va retourner à Pharma. Allez. Ça se passe comment? On vous a écrasé, rendez-vous. Paix blanche. Tu ne voudrais même pas une paix blanche ou tu perds de la piété? Ici c'est 200 de piété, 10% d'autorité morale. On va essayer de faire ça. Peut-être pas pour cet épisode, mais si on arrive à le faire, ce serait nickel. Si on arrive déjà à leur faire bien mal. Mais bon, je pense que je vais viser la paix blanche, encore une fois, parce que je suis très, très zen là-dessus. On va se laisser pousser la barbe. Hop, barbe. Voilà. On est devenu empereur, on doit être viril. On a montré qu'on en a. Allez, rends-toi maintenant, on va te piller de toute façon. Si tu te rends, on pourrait te laisser un peu en paix. Nickel. 45%. On va aller jusqu'à Jérusalem avant de passer vers Périad. Ici. D'accord, parfait. Ici, c'est presque fini. Allez. Mais t'es à 60%, tu vas te rendre ou pas? Paix blanche, t'acceptes. Si on finit l'épisode, parce que j'ai pas envie de commencer la semaine prochaine sur encore une guerre. J'aime bien essayer de finir des guerres comme ça en... Enfin, parfois c'est pas possible, hein, mais... Des petites guerres comme ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est les repousser, donc... Allez, à genoux. Le djihad pour l'Égypte a échoué. Pathétique. Je suis nommé en Porphyrios le Martel. Hop. On diminue les troupes. Alors. Encore contre nous? Tu n'es plus contre nous, mais tu te défends pour obtenir l'Aquitaine. On devra t'aider. Ça... On n'aura pas le choix de venir l'aider. Ce sera pour le prochain épisode. Et ici, il est contre nous aussi. Il est contre nous. Mais là, franchement, si on arrive, il faudra l'aider, ce qu'on va faire. Proposer un pacte, on s'en fout. Je pourrais te déclarer la guerre et en profiter, mais j'ai pas envie que tout le sud de la France soit Oumayade. Et il y a déjà beaucoup trop de terres Oumayade, donc on va essayer de les repousser. Combien de troupes? On les a déjà battues il y a pas longtemps. 37 000 troupes. Tu vas te prendre des révoltes dans les faces. Bon, on va se laisser ici. Au prochain épisode, on ira assister l'Aquitaine qui vient de se faire déclarer la guerre. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Mais également les autres... les prochains épisodes, mais également les autres séries qu'il y a sur la chaîne. Les autres séries qu'il y a... Oui, sur ce, on va se laisser. On se retrouvera au prochain épisode.